C'est sur toi qu'on fait le film, hein? Oui. L'électricité, ça allait. L'eau, ça allait. Mais la nourriture, on n'en trouvait pas. Les médicaments, on ne peut pas en trouver. Quand tu vois quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie, qui n'a pas son traitement, ça va lui rendre encore plus faible. Personne ne peut se trouver au dehors. Et toute la ville de Boaké était en train de se vider. Mais lui seulement, ce qu'il voulait, c'est de saluer ses amis. Et c'est là qu'il a escaladé la clôture. Avec les coups de feu qui résonnent partout. Et les gens qui l'ont vu dans la ville ont commencé à crier « Nganda, vous êtes arrivé !» Le colonel, il reste toujours ce monsieur qui n'oublie jamais ses amis. J'ai regardé le ciel et puis j'ai dit à Dieu, mais tu vas pas nous faire ça. Tu vas pas nous faire ça. Et quand je suis rentré, j'ai mis la clé, la voiture a démarré, j'ai fait. Ouf. Dieu merci. Donc c'était la voiture de l'âge seul qui était ce jour-là sur la route. C'était avec peur parce que les rebelles sont déjà cachés sur les routes et qu'ils peuvent nous assassiner tous. Quand on est arrivé à Yamoussoukro, l'armée nous a arrêtés. Ils ont dit, bon, écoutez, dès que votre véhicule est parti, les rebelles sont arrivés sur les lieux, ils ont chassé tout le monde.
mais j'ai pris le courage du colonel. Si le colonel, dans la guerre, il veut aller voir ses amis, et que moi j'ai mes amis qui sont restés de l'autre côté, c'est tout à fait normal que je retourne pour venir les chercher. Il faut retourner aller chercher les autres.